rendez-vous, on ne le manque pas. Et aujourd'hui, je m'appelle Laurélie, je suis accompagnée de Cérita. Oui, on voulait faire ça vraiment différent. On essaye vendredi après vendredi vraiment de vous faire emmener quelque chose de nouveau. Fait que c'est ça qu'on voulait aujourd'hui. Et Cherika avec moi. Cherika, juste prends le temps quelques minutes de parler aux autres. Donc, comme elle a dit, moi c'est Cherika. Je suis leader des Flances. Je suis aussi partie de la Louange. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être avec vous. On va vraiment s'amuser. Et puis, c'est ça. Cherika, comme tu le sais, on aime ça comme parler des règles, les règles d'influence TV. Il y en a trois, il y en a qui le connaissent, il y a des nouveaux qui ne le connaissent pas. Fait que juste prendre quelques minutes avant de commencer de nous dire c'est quoi les règles. Donc, la première règle, ça serait, si tu as des informations personnelles, de ne pas les partager dans les commentaires. C'est très important de garder ça. Ton adresse, tout ça, garde ça pour soi, hein, vraiment. Mm-hmm. Et puis, après ça, juste rester respectueux dans les commentaires, pas de messages haineux, toujours dans le respect de soi. Et aussi, si vous avez en bas de 13 ans, juste avertir vos parents que vous visionnez la vidéo, que vous visionnez Influence TV, puis on va être sur une bonne base en cosmo comme ça. Voilà, fait que si tout le monde respecte les règles, n'est-ce pas, Cherika, ça va bien aller? Ouais, ça va bien aller, pas de problème. Yes. Ça va bien aller! Voilà, maintenant, on repart avec notre musique, avec notre vibe, et on laisse avec la première partie. Come on! Hey guys, mon nom est Vanessa, vous m'avez peut-être déjà croisée à l'église, je suis la sœur de Veronica. On est à l'aube de la Saint-Valentin et comme peut-être à chaque Saint-Valentin, tu te retrouves célibataire et tu vois tous les couples autour de toi et tu ne veux pas te retrouver tout seul. Tu as une sorte de pression par rapport à ça. Moi aussi, j'ai passé par là et je tenais juste à te partager mon expérience en tant qu'adolescente célibataire. Et comment j'ai fait pour passer tout mon secondaire en étant célibataire. Et oui, tout mon secondaire en étant célibataire. Et malgré ça, comment j'ai fait pour être heureuse et fière de l'être. En secondaire 2, malgré le fait que j'étais timide et introvertie, j'étais amie avec une fille super populaire qui, elle, avait plein d'amis. Entre autres, elle m'a présenté à un de ses amis qui était aussi son ex. Il s'appelait Julien. Ah, le beau Julien! Toutes les filles que je connaissais avaient sorti avec. Et dans le fond, j'ai succombé à la pression, on va dire. Puis, je me suis laissée inviter à une date au cinéma. Donc, je savais que je me faisais influencer. J'étais pas capable de dire non. Surtout pas à 14 ans, quand t'es pas sûre de toi-même. J'ai voulu aller avec la vague. Dans le fond, j'ai suivi. Puis... j'étais assez désespérée de trouver quelqu'un, moi aussi, parce que j'étais pas mal la seule célibataire autour de moi. Donc, moi aussi, je voulais bien mon chum, en fond, pour la Saint-Valentin. C'est le matin de la Saint-Valentin, ça fait genre une semaine qu'on sort ensemble. Je m'en vais dans les toilettes, puis j'entends plein de rumeurs comme de quoi il avait fait des avances à une fille, genre quelques jours avant. Et pourtant, on venait de sortir ensemble, donc c'était tout nouveau, notre relation. Puis là, moi, ben c'est sûr que j'aime pas ça. Je me sens plus ou moins bien. Puis là, je le croise. Je croise le beau Julien, il s'appelait. Et lui, il m'offre des fleurs, des chocolats. Puis moi, je décide de finalement le confronter en privé. Et bref, ça l'a fini là. J'ai décidé de casser avec lui après une semaine de sortir ensemble parce que ça me ressemblait pas et je voulais pas être au milieu des potins. Puis lui, ben, il était bien, bien surpris, dans le fond, que ce soit une fille qui casse avec lui. T'sais. Donc, on avait bien ri pendant assez longtemps. Ça l'avait marqué sa réputation. Quelques mois plus tard, j'ai connu le Seigneur et j'ai compris ma valeur. Il m'a forgé mon identité, il m'a fait apprendre beaucoup sur moi, sur mes ambitions. Et j'ai même fait une liste de critères que je voulais retrouver chez cette personne idéale que la parole parlait, justement, que Dieu avait pour nous. En sortant du secondaire, j'ai connu du monde au cégep, à mes jobs, et même si j'avais des prétendants, je me suis pas lancée dans les bras du premier arrivé. J'ai laissé que Dieu me dévoile les critères que j'avais mis par écrit, les critères dont j'avais prié, qui me le dévoile dans le fond chez la personne qu'il avait pour moi. Donc, en faisant mes connaissances et mes amitiés, ben, j'ai découvert l'homme qui maintenant est mon mari, William.
peut-être que vous l'avez déjà croisé à l'église. On est heureux ensemble. On est mariés depuis 2014. On a maintenant un bébé. Et je suis reconnaissante par le fait que Dieu m'a permis de me laisser le temps, en fait, de connaître la bonne personne pour moi. Il m'a gardé mon cœur, il m'a gardé mon corps, il a gardé ma personne, en fait, de ne pas être détruite par quiconque, parce que j'ai une grande valeur à ses yeux et il voulait le meilleur pour moi. Si j'ai un conseil à donner, c'est garde ton cœur. Il y a des gens qui sont des distractions et d'autres qui sont réellement dans le plan de Dieu pour ta vie. Il t'aime, il désire te voir heureux, alors fais-lui confiance. What's up people, c'est Khalifi in the building, j'espère que vous allez bien. Juste vous dire que c'est moi qui ai fait le challenge aujourd'hui contre Laïssa. Ouais, Laïssa, la juste fille, yeah, yeah, yeah. Et moi, mon nom c'est Kevin, en passant pour ceux qui me connaissent. Wait a minute. Yes, it's the remix. Ouais, je sais que je suis beau aussi. Je vais vous dire aussi que mon EP est sorti à 6 chansons. Ouais, frérot. Ouais, mon EP, allez, je vous mets ça sur Spotify, Apple Music, Google Music, Deezer Music, Tidal, I don't know, bro. Toutes les plateformes, SoundCloud, qu'est-ce que tu veux? Bro, va fumer ça, bro. Va fumer ça. Arrête. N'est-ce pas, bro? Like, en tout cas. Non, je viens aussi, hein, je suis un peu extra. Mais en passant, je vais mettre le lien aussi en bas dans les commentaires pour ceux qui l'ont. Donc, je vous explique aussi le challenge, c'est que je dois mettre ces cœurs-là. Ouais, bobo comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En pyramide. Yeah, so que contre Laïssa, on doit faire le plus haut pyramide possible avec ces bobos-là. Puis aussi, je crois que la personne qui prend le moins de temps pour le faire remporte la victoire. Donc, c'est ça. Donc, faites comme Jack, mettre les liens qualifiés. Ouais. Puis pour le supporter avec le hippie. Donc, c'est ça. Donc, dès que je commence, vous pouvez chronométrer. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Je vais acheter que je suis ancien parce que je veux juste qu'il va être concentré. C'est vraiment la voir à la perfection, les amis, parce que je ne peux pas foirer cette forme-là. Ça ne compte pas, ça ne compte vraiment pas. Ouais, on essaie, on essaie, on essaie. On essaie, on essaie, on essaie. Ouais,
Après, ce qui arrivait, c'est que je dois faire 10 piles. Non, 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 tombe pas, tombe pas. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Ouais. That's it, frérot. Que ça soit égal. Ouais, encore deux piles puis j'ai fini là. Vous savez quoi, je vais faire le plus haut possible parce que je sens que ouais. C'est la première fois hein, que je suis capable de gagner l'équilibre comme ça. Avec des bonbons, normalement c'est vraiment dur. Ça c'est le dernier. Tadam! Voilà, fini les amis. Voici la pyramide que j'ai terminée en 6 minutes. Voilà, c'est ça guys. Puis j'espère que vous allez bien. Et passez une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne love. Amen. Mais ouais, c'est ça. Donc, je vais faire un challenge. Ma mère qui s'est partie ici, qui m'a déjà expliqué. Mais je vais devoir faire une pyramide avec des bonbons en cœur comme ça. Joyeux Saint-Valentin. Dites à vos proches que vous les aimez. Parce que c'est important de le dire. Même si tu le dis. Il faut le dire, même si tu le dis. Genre, faut le dire, même si tu le dis. C'est ça. Hashtag faut le dire, même si tu le dis. Mais ouais, donc. Sérieusement, dis à vos proches que vous les aimez. Juste parce que, juste pour tout ça, vraiment, ça fait chaud au cœur. Dites-le avec vraiment le cœur. Dites-le vraiment. C'est moi. Je vous aime, you know. Anyways, on va laisser ça de côté. Mais aujourd'hui, je suis là pour un challenge. Donc, ouais. J'ai une minute pour remplir les bonbons. Et c'est ça, on va mettre les minutes d'abord. You know? Mais comme, yeah, j'ai une minute d'abord. Puis, on va filer cette affaire-là. Let's go. Donc, ouais. Et donc, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Ah, là j'ai plus de temps.
pyramide en fait. Ça a l'air des cochons, mais pas des pyramides. Ça a l'air. Ça a l'air de quelque chose. Je sais pas comment décrire. Ça a l'air de quelque chose, mais pas. C'est pas un peu de. En tout cas, mais ouais, donc aujourd'hui, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je pense que j'ai gagné le challenge. En tout cas, j'ai gagné, je pense pas. C'est pas pyramide. En tout cas, mais oui, sérieusement, ouais, donc je pense que c'est bien fait. On verra. Donc, ouais, j'étais dans cet esprit, anyways. I'm okay, I'm good. Donc, juste vous dire, hello, Mahakita, Kohamche, Yannou Vivas. Juste vous dire, je vous aime sur plusieurs noms. J'ai cliqué sur Google Traduction. Excusez-moi si j'étais avec un accent dégueulasse, un accent bizarre un peu. Ou sinon, je dis juste mal. Excusez-moi, ok. C'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. Ça vient de mon cœur, ok? Je suis juste allée sur Google Traduction. Ça vient de mon cœur. Je suis allée sur Google. En tout cas, ça, c'est un contexte. Bye! Bonjour tout le monde! Je m'appelle Lauria, j'ai 16 ans et je suis en secondaire 5. Yes, ici, licence, il est secondaire. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le beat de la semaine qui est Cherry Blossoms in Japan, composé et écrit par moi. D'abord, je vais juste dire merci pour m'avoir donné l'opportunité de présenter ma chanson à Influence. Pourquoi j'ai choisi cette chanson? Parce que je trouve que déjà, on est dans la semaine de la Saint-Valentin. Et la plupart du temps, on pense que si on n'est pas en couple, on ne peut pas célébrer cette fête. Mais je trouve qu'on devrait changer notre perspective parce que la base de la Saint-Valentin, c'est pour célébrer l'amour. Et la base de l'amour, c'est qui? C'est Dieu. Comme c'est écrit dans la première lettre de Jean chapitre 4, verset 8, « Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu parce que Dieu est amour. » Which is true. On est rendu dans une génération où est-ce que la plupart du temps, on considère pas l'amour comme quelque chose d'important. On dit toujours no feelings, no simp, you know. Mais juste pour dire quelque chose, Dieu is the biggest simp of all time. Comme Dieu est tellement un simp pour nous, pour les enfants qu'il a créés, pour tout ce qu'il a créé, que il a laissé son fils, son seul fils, mourir pour nous à la croix des pécheurs. Et si c'est pas de l'amour, I don't know what is, you know? Dieu est tellement bon et il nous aime tellement que on devrait juste prendre le temps d'être reconnaissant pour son amour parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que cet amour-là existe. Et je trouve que on devrait juste, comme si quand vous allez écouter la chanson, de juste penser aux petites affaires que Dieu a fait dans vos vies. C'est pas obligé d'être comme un grand miracle parce que des fois on peut montrer, comme juste sourire à un étranger peut être un signe d'amour de Dieu et Dieu peut marcher avec ça. Juste pour spécifier, la chanson est en anglais. Désolée, je sais qu'on est au Québec et il y a la loi 101, mais comme j'étais plus confortable avec l'anglais en ce moment-là, des fois c'est en français, des fois c'est en espagnol, des fois c'est en coréen, mais cette fois-ci c'est en anglais. Si on me donne une autre opportunité de présenter une chanson, j'ai essayé de l'écrire en français. Alors, je suis vraiment désolée, mais il y aura des sous-titres en français pour mes francophones. Comme ça, vous pouvez comprendre pendant que la musique joue. Sur ce, voici la chanson, le beat de la semaine. Voici Cherry Blossoms in Japan. Thank you.
pas de vous connecter. On va envoyer dans le chat numéro, le lien pour le Netflix Party qu'on fait après. On va prendre le temps de checker un film. Si vous voulez vous connecter avec nous, le film va partir à 20h. Donc, on va envoyer le lien exact du Netflix Party sur le chat live. Donc, vendredi soir à 20h, on écoute ça. Viens te connecter avec nous pour checker un film toute la gang ensemble. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Ça, moi en tout cas, je trouve qu'on se surpasse, on est de victoire en victoire et de gloire en gloire. Ça ne cesse plus en fait, on grandit comme ça, on s'améliore constamment. Donc vraiment, je prends l'opportunité justement de remercier tous les leaders qui sont impliqués, que ce soit dans le montage, dans les challenges. On vous remercie vraiment, c'est pas pour acquis, c'est du contenu de fou qu'on a vraiment. On est choyés de vous avoir, ainsi que les pasteurs de réseau. Les soins, oh oui, c'est que le petit Laurent qui vient d'arriver. On est vraiment reconnaissants vraiment pour votre implication, vos idées, pour la passion que vous nous donnez. Et on veut aussi remercier tout le monde qui visionne Influence TV, vraiment. Vous êtes fidèles comme ça tous les vendredis. On vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a hâte de se revoir. Et c'est ça. Donc, si vous n'avez pas encore de connect, si vous n'avez pas encore trouvé de connect, vous n'avez pas encore de groupe, on vous invite à aller sur le site mci.gc.ca sur trouver un connect. Et on va pouvoir retrouver un groupe dans lequel vous allez pouvoir faire partie. Et c'est ça, donc on se voit vendredi prochain. Beaucoup d'amour et prenez soin de vous. Bye là!